Les vainqueurs, on le sait, sont ceux qui écrivent l'histoire. Et en Afrique, cet adage prend tout son sens dès qu'on parle des empires coloniaux européens. Certains historiens vont même jusqu'à dire qu'ils ont civilisé l'Afrique. Comme si avant la colonisation, l'Afrique n'avait ni civilisation, ni histoire. Le mystère pour les historiens, c'est de savoir pourquoi on a fait comme s'il n'y avait pas d'histoire de l'Afrique. L'histoire, ça existe toujours. Les gens vivent une histoire et on confondait vivre une histoire, avoir une histoire et avoir écrit une histoire. Catherine Kokri-Vidrovitch est historienne, spécialiste de l'Afrique. Elle a publié de nombreux ouvrages dont Petite histoire de l'Afrique ou encore Afrique occidentale au temps des Français, colonisateurs et colonisés. C'est une histoire très complexe. Parce que le continent africain est très grand, c'est trois fois grand comme les États-Unis, avec beaucoup d'États différents. Aujourd'hui, il y en a 54 ou 55, mais à l'époque, il y en avait beaucoup plus. Il y en avait des grands, il y en avait des petits, il y avait des petites chiffries, il y avait des royaumes, il y avait des empires. Et on a assez bien reconstitué l'ensemble de l'histoire africaine aujourd'hui. Malheureusement, elle est encore très peu enseignée dans les écoles du monde. Et c'est cette histoire, ou du moins une partie, que nous allons vous raconter. L'histoire d'un continent qui n'a pas été civilisé par l'Occident, mais plutôt envahi et occidentalisé. Et il y a nuance. Dans son livre « Petite histoire de l'Afrique », Catherine Kokri-Vidrovitch montre que l'Afrique, depuis toujours, influe sur le reste du monde et lui a fourni main-d'œuvre, or et matières premières, ce qui a joué un rôle essentiel dans la mondialisation économique. Elle y décrit également des sociétés politiquement structurées, économiquement prospères, socialement organisées, culturellement riches, avec un savoir parfaitement adapté à leurs conditions environnementales. On s'est aperçu depuis un demi-siècle que l'histoire africaine est une histoire comme les autres, différente par ses contextes, mais d'abord c'est la plus longue. L'humanité, l'Homo sapiens, est apparue en Afrique, probablement subsaharienne, avant de s'étendre à travers le monde. Mais à quoi ressemblaient concrètement ces sociétés juste avant que les premiers occidentaux n'arrivent sur le continent? Pour vous en donner un aperçu, nous avons choisi quelques empires précoloniaux. Le Mali à l'ouest, le Congo au centre, les royaumes des Grands Lacs à l'est, le royaume Zoulou au sud et les Almoravides et Almohades au nord. Commençons par le Mali ou Mandingue et appelons ce chapitre le royaume où l'or poussait comme des carottes. L'Empire du Mali, au XIIIe ou XIVe siècle, il allait depuis la côte de l'Atlantique pratiquement jusqu'au nord du Nigeria actuel. Donc c'était très vaste. Et c'était un empire de contact. Il était en contact avec le nord et puis il était en contact avec le sud. Et là, c'était très important parce que au sud de l'Empire du Mali, vous aviez des mines d'or. Bingo! Un empire doré, fondé par le roi forgeron Soumaoro Kanté et qui sera agrandi, unifié puis fortifié par le fameux Sundiata Keïta. Après avoir renversé son prédécesseur, il abolit définitivement l'esclavage entre Maliens et énonce son programme. Que ceux qui font la guerre fassent la guerre, que ceux qui font le commerce fassent le commerce, que ceux qui pratiquent l'agriculture pratiquent l'agriculture. Ainsi le mandé sera agréable à vivre, le mandé sera prospère. Il met en place un grand conseil, renforce son armée et intensifie la recherche et la production d'or. Et c'est comme ça que le Mali va faire fortune et bâtir sa réputation de grand commerçant international. D'où l'importance mondiale de l'histoire africaine entre le 8e et le 15e siècle. Le fournisseur d'or, je dirais, du monde, j'excepte les Amériques qui étaient de leur côté et qui étaient isolés par rapport à l'Eurasie, mais pour l'Eurasie, pratiquement tout l'or qui venait en Europe, en Asie, par l'océan Indien ou par l'océan Atlantique, venait d'Afrique et d'Afrique subsaharienne. Et c'est aussi de là que vient l'homme le plus riche de tous les temps, Kankan Moussa, connu également sous le nom de Mansa Moussa, un autre empereur du Mali que l'historien Francis Simoni s'appelle le roi de l'or. Et l'homme portait bien son surnom. Le pèlerinage de Mansa Moussa le rendit célèbre en Afrique du Nord et au Proche-Orient, tant le faste qu'il déploya marqua les esprits. Il dépensa une telle quantité d'or en Égypte qu'il en fit chuter durablement le cours. Pour retracer l'origine du roi de l'or, un atlas est dessiné en Espagne, grâce aux informations fournies par les marchands arabes. Et cette carte est assez explicite. Cet atlas de 1375 et qui a été donné par un prince espagnol au roi de France en cadeau de mariage montrait Kankan Moussa sur un trône avec un sceptre en or, une couronne en or et une légende disant que c'était un des rois les plus riches du monde. Donc à ce moment-là, il a été connu de tout le monde, y compris les Européens,
qui ont été les derniers à savoir qu'il existait d'ailleurs. Et donc, des convoitises ont commencé à s'exercer. C'est le début de la fin du royaume du Mali. Le reste de l'histoire, je laisse le chercheur François-Xavier Fauvel vous la raconter. Le 15e siècle, c'est l'irruption d'un pouvoir violent, avec les Portugais qui s'installent, entre autres, sur la côte du golfe de Guinée et détournent complètement le commerce de l'or de l'intérieur. Toute la géographie politique de l'Afrique s'en trouve considérablement modifiée. Les Portugais ne s'installent pas seulement à l'ouest. Ils vont aussi débarquer au centre, où se trouve un autre empire. C'était un empire plus petit que les grands empires de l'ouest africain, néanmoins avec des chefferies organisées, le tout reconnaissant l'autorité du souverain, autorité à la fois politique et religieuse. On va l'appeler le royaume de l'apôtre Afonso Ier. Son nom, le roi Afonso le doit aux nouveaux arrivants. Les Portugais ont commencé à explorer la côte de l'Atlantique à partir de 1415. Ils sont arrivés vers 1460-1470 en face du Congo. Ils ont rencontré le roi du Congo. Un roi qui règne à l'époque sur des peuples bantous, un énorme groupe linguistique de la forêt équatoriale. Les habitants du royaume du Congo, qu'on désigne avec un K en général pour le distinguer du Congo contemporain, qui correspondait d'ailleurs plutôt au territoire actuel de l'Angola du Nord que de la RDC actuelle, lui, il a émergé sans doute au XIIe siècle. Au départ, les Portugais se montrent très amicaux, bibes à la main et pacotille en tout genre. Les Portugais n'avaient pas l'air dangereux, finalement c'était quelques bateaux qui apportaient des marchandises, des cadeaux, qui étaient là pour séduire. C'est donc tout naturellement que le roi Afonso Ier y voit un allié possible. Et comme la philosophie de l'époque c'était la philosophie religieuse, qu'on était dans une société polythéiste, ben, on va accueillir un dieu de plus. Et donc le roi du Congo se convertit au christianisme en 1497, je crois. Et il demande au roi du Portugal, parce qu'il apprend le portugais, de lui envoyer des techniciens. Il s'aperçoit que les Européens ont des maçons, etc. La première fois, le roi du Portugal les lui envoie effectivement. Toujours l'opération de séduction. Et donc, le roi du Congo est fort content, il demande donc qu'on en envoie d'autres, mais c'est fini. À ce moment-là, ce qui intéressait les Portugais, ben, c'était les esclaves. On pense que 200 000, 250 000 esclaves sont partis au 15e siècle par les Portugais et autant au 16e siècle, vers l'Europe. Par la ruse et par la force, ils soumettent donc le roi Afonso et l'obligent à vendre ses sujets. Alors on a une lettre déchirante du roi du Congo qui écrit au roi du Portugal, venez à notre secours, vous avez des bandits chez nous qui nous ravagent, alors venez nous protéger contre les bandits qui sont là. C'est-à-dire que le roi du Congo était complètement trompé, disons, par la puissance occidentale de l'époque qui en a abusé. Et c'est le début de la fin du royaume Congo. Mais pendant qu'il se vide de ses sujets et décline, ses voisins de l'Est, eux, commencent leur ascension. Tout autour des Grands Lacs et ailleurs d'ailleurs, vous aviez quelquefois ce que les historiens appellent des chefferies, des petits royaumes, c'est-à-dire des formations politiques très organisées et quelquefois mieux organisées que les grands empires. Il s'agit entre autres des monarchies du Rwanda et de l'Urundi qui atteignent leur apogée au XIXe siècle. À l'époque, le Rwanda est une puissance conquérante qui réussit par ailleurs une réforme administrative majeure avec la création de trois chefs sur un même territoire, le chef des terres, le chef des armées et le chef des pâturages. C'est sur cette réforme que s'est fondé le Mwamikwa Wigiri pour diviser le pays en 21 régions administratives. Ces royaumes pouvaient avoir une longueur de 50 à 100 km maximum. On pouvait envoyer un courrier et espérer qu'il arrive le lendemain ou le surlendemain. Mais un autre état monarchique se distingue particulièrement des autres. Le Buganda. Toute une série de petits royaumes qui fonctionnaient un peu de la même façon, qui étaient davantage fondés sur la subsistance, peut-être moins commerciaux au démarrage, plus paysans, plus ruraux, et qui a été très convoité par les voyageurs occidentaux à partir du 19e siècle, et par toutes les religions, je dirais. Particulièrement par les Allemands, les Britanniques et les Belges. Les royaumes des Grands Lacs vont d'ailleurs être le théâtre de ce que l'historien Henri Médard appelle un mouvement de conversion parmi les plus spectaculaires de l'histoire africaine. Le roi du Ganda, à ce moment-là, dans les années 1880-90, il avait chez lui des musulmans, des chrétiens, des animistes, et donc des partis politiques, je puis dire, qui relevaient chacun d'une religion. Il y a eu une terrible guerre de religion en Ouganda pour que, finalement, le roi du Ganda soit dans l'obligation de choisir entre ses différents adversaires, envahisseurs. Le roi choisit finalement de s'allier aux chrétiens, et avec les Britanniques, il forme une alliance qui va conquérir et agrandir le royaume dans ce que les historiens qualifient de sous-impérialisme Ganda. Mais le roi Ganda, lui aussi, va se faire avoir.
Il a été mis sous protectorat britannique en 1890. Il a perdu son indépendance de cette façon. Mais les Britanniques ne vont pas s'arrêter là. Ils lorgnent déjà un autre royaume, plus au sud, riche en or, et qui débouche directement sur l'océan Indien. Par contre, ils vont se heurter à un homme qui va leur rendre la tâche très difficile. J'ai nommé Shaka Zulu. Shaka était un chef de guerre important, il n'avait pas le choix, il fallait qu'il se défende. Au début du 19e siècle, le royaume Zulu fait déjà face à une double pression. La pression des colons hollandais et la pression des commerçants anglais. Donc, il est très surveillé par les Britanniques qui commencent à arriver par le sud. Et finalement, il crée une armée, enfin, il devient un état militaire pour résister à toutes ces pressions. Et c'est vrai qu'il organise un état militaire costaud. Stratège militaire, il transforme le combat rituel en moyen de destruction et de conquête. Ce qui lui permet d'infliger une humiliante défaite à la puissance britannique en 1879. Dans son livre « L'Empire de Shaka Zulu », l'historien Tidiane Ndiaye rapporte cette interrogation du premier ministre britannique de l'époque. Qui sont ces Zoulous? Quel est ce peuple remarquable qui a vaincu nos guerriers, converti nos évêques? Et le royaume Zoulou a toujours résisté à la pression blanche jusqu'à la fin du 19e siècle. La dernière révolte, grosse révolte Zoulou, c'est dans les années 1890. Et ça a toujours été une zone de résistance au pouvoir blanc. Mais selon Kokrividrovitch, le régime strict et autoritaire de Shaka Zulu n'a pas dû tellement plaire non plus à ses propres sujets, puisqu'il meurt suicidé ou assassiné. Et bien avant que le sud ne tombe entre les mains des Britanniques, le nord était déjà conquis des siècles plus tôt par deux grandes dynasties, les Almoravides et les Almorades. C'est la domination arabo-amazigh. L'originalité, si je puis dire, enfin la spécificité des Almoravides et des Almohades, ce sont des empires berbères. Alors les berbères étaient une population originaire d'Asie occidentale, comme les Arabes venaient d'Arabie, mais un millénaire avant. Entre le 11e et le 13e siècle, ils contrôlent un vaste territoire qui s'étend de l'ouest du Sahara à la péninsule ibérique. Les Almoravides, ils venaient probablement du Sahara, mais ils se sont étendus en Afrique du Nord et dans le sud de l'Espagne, en pays andalou. Donc c'est une civilisation très intéressante de transition culturelle entre le monde arabo-musulman d'un côté et le monde africain subsaharien de l'autre. Une rencontre de cultures qui vont se mélanger et s'influencer les unes les autres. Ce sont les Arabes qui ont converti les Berbères à l'islam. Et les Berbères, d'ailleurs, ont converti les chefs africains, les grands sultans, comme Kankan Moussa, je ne vous l'avais pas dit, l'ont converti à l'islam. Grands architectes, ils sont également réputés dans le domaine de l'art. En moins de deux siècles, les deux dynasties deviennent très riches en contrôlant une grande partie du commerce de l'or transsaharien. Et puis après, il va y avoir d'autres histoires, et ce sera finalement les Marocains qui vont descendre jusqu'au fleuve du Niger et qui vont s'emparer de Tombouctou, mais beaucoup plus tard, en 1580. Ce n'est que vers la fin du 18e siècle qu'arriveront les Espagnols, puis les Français au début du 20e. Et donc, comment se fait-il qu'on sache si peu sur une Afrique qui était pourtant au centre du commerce mondial et qui visiblement avait une si riche histoire? Un historien remarquable canadien, Paul Lovejoy, a écrit récemment un livre où il dit « C'est scandaleux de ne pas en tenir compte dans l'histoire contemporaine, où on parle de tous les empires austro-hongrois, etc. du 19e, et puis on ne parle pas du tout des empires africains, alors que c'est déjà le modèle qui va commencer à s'affirmer au 20e siècle, et que si on étudie ces empires comme les autres, dans l'histoire du monde, on découvre que finalement, c'est peut-être en partie à l'origine de pas mal de choses. Et je crois qu'il a raison. Reste aux historiens à faire le travail. À quand l'enseignement de la vraie histoire de l'Afrique dans l'histoire contemporaine? Mais du coup, comment sommes-nous passés de ces grands empires précoloniaux aux pays africains actuels? Pour en savoir plus, cliquez là. Pour vous abonner à notre chaîne AG+ Français, cliquez là.